Briançon est une commune française, située dans le département des Hautes-Alpes, dont elle est la sous-préfecture, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et historiquement rattachée au Dauphiné. C'est la ville centre d'une petite agglomération de six communes, l'unité urbaine de Briançon. Le territoire dont Briançon est la ville principale, est appelé Briançonnais, il couvre le nord du département des Hautes-Alpes. Briançon est considéré comme la plus haute ville de France, 1326 mètres. Ses habitants, au nombre de 12 370 en 2015, sont appelés les Briançonnais. Ces fortifications de Vauban, l'enceinte de la ville, les forts des Salettes, des Têtes, du Randouilleux, l'ouvrage de la communication Y. Et le pont d'Asphel sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis le 7 juillet 2008, aux côtés des 11 autres sites du réseau des sites majeurs de Vauban. Briançon est situé à 15 km de la frontière italienne. À 33 km de Sestrières, à 32 km d'Oultz, à 45 km de Bardonechia, Bardoneche, gare desservie par le TGV, à 46 km d'Embrun, à 84 km de Barcelonnette et de Saint-Jean-de-Maurienne, à 87 km de Pignerol, à 109 km de Turin et à 115 km de Grenoble. La ville est située au carrefour des bassins hydrographiques de cinq rivières ou torrents la Durance, la Clarée, la Guisane, la Cerverette, et enfin l'Orserette. Cette situation doit être appréciée à deux échelles différentes. Localement, l'habitude est de souligner la confluence entre la Durance et ses proches affluents d'inégale importance, clarée en amont, guisane sur le site même de la ville et Cerverette, immédiatement à l'aval. À une époque où le tourisme est devenu l'activité essentielle, la ville joue le rôle de centre régional pour le transit, l'animation commerciale et culturelle de ce district de la Haute-Durance. Mais plus essentiel apparaît son rôle de porte transalpine, car elle est à la commande du passage de la chaîne des Alpes le plus facile du Léman à la côte méditerranéenne, grâce au col de Montgenèvre, 1850 mètres, avec un double accès tant du côté français par le Lotaret au nord, et la vallée de la Durance au sud, que du côté italien vers Turin au nord-est, et Pignerol au sud-est. S'agissant du site, dont les particularités déterminent les conditions de l'urbanisation et de ses contraintes, pour comprendre l'opposition entre la ville haute et la ville basse, il faut faire référence au temps des glaciations quaternaires. Le grand glacier descendant du col du Lotaret, très épais, a fortement creusé et élargi en forme d'auge la vallée de la Guizane, puis de la Durance jusqu'à Sisteron, c'est dans son large fond qu'est le site de la ville basse. Son affluent, le glacier venant du col de Montgenèvre par transfluence même grossie de celui venant de la Clarée était beaucoup moins puissant et a donc creusé moins profondément sa vallée, c'est pourquoi la confluence des deux glaciers est marquée par un gradin de confluence, une sorte de marche d'escalier. D'autre part, ce petit glacier, juste avant de rejoindre le Grand, a rencontré une barre de roche plus dure qu'il n'a pu complètement éroder et qui a été façonnée en verrou glaciaire, c'est sur cette bosse qu'est la ville haute. Il convient par ailleurs de préciser que, d'un point de vue historique, la situation géopolitique de Briançon a varié du fait des modifications de la place de la frontière. Au XVIIe siècle, la frontière entre la France et les États du Duc de Savoie qui regroupait le Piémont et la Savoie, il ne s'appellera Royaume de Piémont-Sardaigne qu'après le traité d'Utrecht en 1713, n'était pas au col du mont genèvre Le territoire de la France s'étirait, d'une part, du Val-Cluson, Chisonne pour les Italiens, jusqu'à Pignerol au début de la plaine du Pau. C'est d'ailleurs dans cette cité, le plus loin possible du cœur du royaume, qu'aurait été enfermé le fameux masque de fer. Il incluait d'autre part la haute vallée de la Doir-Ripère à l'amont du Pas de Suse. D'où une encore plus grande nécessité de contrôler les deux versants de la montagne. Une prospection systématique réalisée en 1994, par le SRA, n'a pas permis d'identifier sur le territoire communal de sites antérieurs à l'âge du bronze. Il faut attendre le deuxième âge du fer pour voir apparaître quelques indices d'occupation. Notamment dans le quartier de la gare. L'existence de Briançon est rapportée au début du 1 siècle par Strabon sous le nom de Brigantion sur la route qui conduit de Gaulle en Italie. Cette route, dite voie contienne, prolonge la voie construite par Domitius Aenobarbu entre Narbonne et le Rhône. Cotus, fils de Donu, roi de Suse, qui avait aidé les Romains dans la conquête des Alpes, avait reçu le commandement des peuples occupant les deux versants des Alpes, avec le titre de Praefectus Civitatium. À l'époque de Pline, la ville appartient au royaume vassal mais indépendant de Cotius II, son petit-fils, ce qui explique qu'il ne la nomme pas dans le livre 3 de son histoire naturelle. En revanche, dans l'inscription du trophée de la Turbie qu'il reproduit, les Bridiani sont nommés parmi les peuples soumis, gente de Victaeux, par Auguste aux côtés des Caturiges. On suppose que Brigantio était leur capitale. Brigantium baroblique Brigantia est également présent sur les gobelets de Vicarello. Elle est appelée Castellum Virgantium par Amien Marcellin, seconde moitié du IVe siècle. Trois bas-reliefs et inscriptions funéraires réemployées au-dessus de la porte d'entrée du château ont été transportés au musée départemental des Hautes-Alpes, à Gap. La position et l'extension de la ville romaine sont discutées. Bien qu'il y n'ait eu que peu de fouilles archéologiques et que peu de vestiges aient été conservés, il semble qu'elle ait été située dans l'enseignement qui sépare le bas du massif de la Croix de Toulouse et la butte du château, au nord-ouest de la ville actuelle le long de la route conduisant au mont Genève. Ont été découverts en 1900 les vestiges d'un établissement de bains plus récemment d'autres constructions et d'une nécropole. L'hypothèse de l'existence d'un amphithéâtre a été infirmée par les fouilles préventives. Après les invasions barbares du Ivo X siècle, la ville romaine Brigantium se replie sous la protection du piton fortifié qui domine l'étroite vallée de la Durance, il semble que ce soit un castellum faisant partie de la Francie médiane, traité de Verdun. Elle passe ensuite dans le Saint-Empire romain germanique 20. Elle est donnée au comte d'Albon en 1040, futur dauphin de Viennois. Elle occupe alors la moitié nord de son assise actuelle et un quartier, aujourd'hui disparu, situé sur l'emplacement du Champ de Mars. L'existence, à Briançon, d'un château et châtelain, prénommé Martin et Bernard, qui agissent sous l'autorité des comtes d'Albon, est attesté par une donation de guy Ier d'Albon à la prévôté de Saint-Laurent d'Oultx qui fut établie à la fin de l'année 1073 ou au début de l'année 107-1422. Ce château comporte une fonction résidentielle note 2. En 1228, elle est appelée Burgus, ce qui dénote une certaine importance de la ville haute, créée comme ville nouvelle, plan régulier, cadastre persistant, dans le premier quart du treizième siècle 23-21. Des franchises sont accordées à Briançon en 1244 afin d'attirer de nouveaux habitants. Tandis que le bourg se développe, les institutions communales s'étoffant, un règlement de police municipale est donné par le dauphin Humbert Ier en 1287. En 1292, le syndic et les procureurs négocient la cession perpétuelle de la perception des dîmes avec le prévôt d'Oultx et le dauphin. Par la suite, plusieurs chartes de franchises issues des dauphins réaffirmeront ces droits. La ville, Quoique dominé par un château depuis au moins le siècle XXI n'éprouve pas le besoin de se doter de remparts avant la seconde moitié du XVe siècle. Les comtes d'Albon et Dauphin de Viennois logent souvent à Briançon. En 1339, leur résidence, située au sommet du piton rocheux, est composée d'une grande tour au centre de sa basse-cour, d'une chapelle dédiée à Saint-Étienne, de plusieurs corps de logis et des bâtiments de service, le tout entouré d'une enceinte qui lui est propre. L'accès se fait par un chemin abritée par un mur crénelé, qui monte depuis la route du mont Genève. Les hameaux de Briançon, dans les environs, existaient déjà depuis longtemps. Alors qu'elles n'étaient pas encore rattachées à la France mais dépendaient du Dauphiné, Briançon s'est distingué en obtenant en mai 1343 du Dauphin Humbert II une sorte d'indépendance, avec des prérogatives particulières, exemption de redevances, liberté de la personne et des biens, privilèges économiques, liberté de réunion, élection de représentants contre un dos de 12 000 florins et une rente perpétuelle. Les citadins bénéficiaient du statut de franc bourgeois, bien que non noble, ils étaient libres de toute contrainte. Un symbole, le four banal ne relevait pas du régime seigneurial mais devenait communal. L'original du texte de 1343 est conservé en mairie, c'est un parchemin de 1 m60 par 50 cm. Lorsque le dauphiné a été rattaché à la France, les rois ont reconnu par lettre Pétemps ce statut qui n'a pris fin qu'à la Révolution. Le 4 août 1789, les habitants de la ville n'ont pas été les seuls à bénéficier de cette situation privilégiée, car les négociations ont concerné plusieurs vallées dont l'ensemble formait la République des Escartons, Briançon et ses onze communautés avaient négocié avec trois autres groupes de communautés le mont dauphin et Oultres. Cette dernière, sur le versant italien, vallée supérieure de la Doï-Ripère à l'amont de Suse vers 1344 à 1345 le bourg de Briançon comporte un mur d'enceinte percé de trois portes porta supérieure porta méana et porta inférieure à l'intérieur se trouvent quatre quartiers et, entre autres éléments la maison d'Elfinal le four un beffroi d'alarme la halle du marché la maison des banquiers lombards et trois fontaines le grand béal le canal qui coule au milieu de la grande rue Alimente les fontaines et sert à la lutte contre les incendies, est construit en 1345. Briançon est rattaché au royaume de France en 1349 avec le reste du Dauphiné, par le traité de Romans, passé entre le dernier dauphin de Viennois, Humbert II, et le roi de France Philippe VI. En 1370, l'enceinte de la ville, qui n'était formée que par les maisons particulières, est renforcée on bouche les ouvertures des maisons qui se trouvent au rez-de-chaussée. On colmate les rues et les interstices entre les maisons, on creuse des douves, et des tours sont construites, adossées aux maisons. Prospère. La ville forme une communauté formalisée avec les hameaux alentours, rassemblés sous le terme de tierce. Le 4 mars 1382. L'ordre des Franciscains construit son couvent des cordeliers entre 1388 et 1391, afin de lutter contre le waldéisme well et réévangéliser le peuple. Ce couvent est situé dans l'enceinte de la ville. En 1420 à 1421, le bourg occupe toute la surface de la ville fortifiée et des faubourgs se créent aux portes de celle-ci. L'essor de la ville, symbolisé par l'érection d'un beffroi avant 1539, est considérablement ralenti par les guerres d'Italie et les guerres de religion. À cette époque, le bourg principal correspond déjà à la vieille ville actuelle, et il s'adjoint deux petits faubourgs, l'un près de la porte Méane, au bas de la ville. L'autre près de la porte supérieure, le Chastelet, ces deux faubourgs seront rasés à fin du XVIe siècle pour laisser place à des fortifications. Lors des guerres de religion, Briançon repousse un premier siège de Lesdiguières en 158-1030. Après l'assassinat de son capitaine Jean-Louis Borel 30, la ville se rend à Lesdiguières le 6 août 1590. Les Dominicains s'installent en ville en 1624. En 1632, la ville encourage l'installation des ursulines avec pour objectif de faciliter l'éducation des jeunes filles. En 1624, un incendie survient en plein hiver, alors que l'eau du Béal est gelée. Il dure 5 jours et détruit 80% de la ville. À cette époque, et malgré les franchises accordées aux escartons, la gabelle est instaurée depuis 1674. À cette époque, grâce à la politique de la ville qui finance 2 maîtres d'école à l'année, plus de 85% des hommes sont alphabétisés. Le 26 janvier 1692, un autre incendie est encore plus destructeur. À cause des grands approvisionnements qui avaient été stockés en ville par l'armée, seules quelques maisons, le couvent des cordeliers, le grenier à sel et l'hôtel du Vibailly subsistèrent. Il faudra une dizaine de jours avant que quiconque puisse accéder aux ruines. En raison de sa situation proche de la frontière avec le duché de Savoie, Briançon devient une ville militaire. En 1689 à 1690, durant le règne du roi Louis XIV, une nouvelle enceinte est construite par Rue de Langrune. Cette même année, le ralliement du duché de Savoie renforce la Ligue d'Auxbourg. Durant l'été 1692, le duc Victor Amédée II de Savoie dirige une campagne en Dauphiné méridionale, prouvant que les montagnes ne font pas barrage. Après avoir pris et pillé Embrun, 16 août, il ravage les environs, mais malade, il ne s'attaque pas à Briançon. Vauban rédige un projet d'amélioration des fortifications la même année. Fortification de Briançon en 1736. Plan relief construit de 1733 à 1736 sous la direction de Coliquet et Nicolas de Nezo, 1699 à 1768. Conservé au musée des plans reliefs à Paris. Vauban est à nouveau en tournée en 1700 sur la frontière des Alpes pour améliorer les systèmes défensifs. Et en collaboration avec les meilleurs ingénieurs militaires et les plus grands généraux, il fait renforcer et améliorer les fortifications de la ville et enclenche la construction d'une ceinture de fort 38 autour d'elle pour la défendre, exploitant le relief des montagnes pour occuper les points clés permettant d'en surveiller les accès. Il dote également Briançon de casernes, apaisant ainsi les craintes de la population provoquées par les passages dévastateurs des gendarmes. En 1713, le traité d'Utrecht rapproche la frontière au col du Mont Genève. Qui est de plus lourdement taxé par le duc de Savoie. Le commerce est détourné durablement de la ville 39. La ville étant devenue une ville frontière, le marquis d'Asfeld construit une ceinture de forts de 1721 à 1734, reliée entre notamment par le pont d'Asfeld, fort des Trois Têtes, fort du Randouilleux, fort Dauphin, fort d'Anjou, redoute du point du jour et la communication Y-40. Malte -Brun affirme qu'avant la Révolution française, on pouvait encore lire. Au-dessus d'une des portes vestiges de l'enceinte romaine, l'inscription suivante Cornella E. Solignine Augusta Conjugi ». Affirmation à nuancer puisque la lettre J est de création récente, 16e siècle, et était autrefois rendue par la lettre 1. Point, point, point. Elle devient chef-lieu de district en 1790 jusqu'en 1800. En 1815, lors des guerres napoléoniennes, la ville résista aux assauts des alliés et le second traité de Paris fut signé sans que la ville eût capitulé. Sous la monarchie de Juillet, le château est détruit et remplacé par le fort du château. En 1876 et 1890, deux batteries d'artillerie, dites Croix de Toulouse et des Aïtieux, sont construites. En 1891 et 1893, le blocos de Malfos est réalisé. Au 19e siècle, la région de Briançon s'industrialise. En dehors des usines voisines à l'Argentière-La plusieurs activités industrielles s'implantent à Briançon. Les plus importantes en effectif sont l'usine de la Chape, qui emploie environ un millier d'ouvriers, pour moitié des femmes, et quelques mines d'anthracite. La manufacture de la Chape, créée en 1842 à Saint-Véran, est installée à Briançon dans un ancien couvent, ainsi que dans des ateliers textiles, situés dans des communes proches, en 1863, dans le faubourg Sainte-Catherine. L'imposant bâtiment de l'usine de la Chape, de 125 par 18 mètres sur 5 étages, est inauguré. En 1870, 1400 personnes travaillent à la manufacture de la chape, ce qui est le plafond de ses effectifs. Cette manufacture est l'une des plus importantes usines de peignage de chape en France jusqu'aux environs de 1914. Le train arrive à Briançon en 1885.